Bon, là, avec toi, on va parler métier de coach, métier passion. Quand tu es jeune joueur, est-ce que tu as tout de suite l'idée d'entraîner ou c'est venu parce que tu n'avais pas le choix? J'ai pris des équipes de jeunes très tôt, tout en étant joueur. À 18 ans, j'avais pris l'équipe B des minimes à l'époque, dans mon club. Et puis après, c'est venu naturellement. Je suis passé dans les différentes catégories de jeunes, les 17 ans. Après la réserve, et puis après ben, adjoint avec Christian Saramagna, et puis petit à petit ben, passer tous les diplômes et grandir voilà, sans savoir trop où ça allait me mener. On dit souvent que le métier de coach, c'est un staff à lui tout seul. Alors forcément, ça a dû un peu évoluer avec les années, mais je pense qu'à tes débuts, ça devait être un peu le cas quand même. À l'époque, on avait même des garçons qui travaillaient, donc il fallait jongler avec ça, avec peut-être des séances pour certains le matin, d'autres c'était plutôt le soir. Il fallait un peu savoir tout faire, prépa physique, des fois même entraîneur des gardiens, voilà. Mais c'est bien parce que ça permet de toucher à tout et du coup, quelque part, on a un peu de toutes les notions d'un staff, ce qu'on attend d'eux, mais c'est bien que maintenant il y ait du monde autour de soi. T'es un entraîneur atypique de ce championnat. T'es un entraîneur qui aime les vrais joueurs de foot, qui aime le jeu, avec ton 3-5-2. Ton exemple, c'est surtout l'Atalanta aussi. Ouais, c'est vrai qu'après, on essaye de trouver des sources d'inspiration avec des équipes qui collent avec ce qu'on a envie de voir sur un terrain, de la générosité, mais aussi des prises d'initiative, imposer quelque chose aussi à l'adversaire. Je pense que sur un championnat aussi long, je pense que c'est important d'avoir des forces et d'essayer au maximum de s'en servir. Voilà, il y avait l'Atalanta que je trouvais vraiment performant par rapport à voilà, ce championnat italien où il y a de grosses écuries, mais ils arrivaient à sortir leur épingle du jeu et à proposer vraiment des choses très intéressantes, notamment au niveau du pressing. Et idem avec le RC Lens où voilà, je suis allé en stage là-bas pour mon BEPF et c'était un peu des similitudes qui m'ont vraiment inspiré aussi et je trouve que c'est bien parce que c'est rafraîchissant. Et justement, quand tu parles du BEPF, tu as eu l'occasion justement de discuter beaucoup avec Franck Hesse, un exemple aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'au final, quand on voit ce qu'il est capable de faire avec ce club, qui est un club historique, il l'a pris dans une période pas facile, en plein Covid. Je pense que la première année, il monte et personne ne connaissait vraiment Francaise. Au final, il a prouvé que ce n'était pas un accident parce qu'il reproduit la même chose cette année avec quelques modifications dans son effectif. Et c'est vrai que d'avoir pu vivre au quotidien toute une semaine avec cet entraîneur, son staff, vraiment avec une identité forte de jeu, avec une intensité que j'ai retrouvée au quotidien dans les séances, avec le prépa physique aussi qui est vraiment basé sur le ballon. Voilà, c'est des choses, moi j'aime bien faire l'éponge et du coup s'en servir pour, à notre niveau, essayer de reproduire ça. Et je reviens un peu sur ton côté atypique, un seul gardien sur la feuille de match. Ouais, ça c'est sûr que c'est une prise de risque, mais au final, ça fait plusieurs années voilà, que je l'utilise parce que c'est vrai que sur un match, ça peut arriver que ça me fasse défaut, mais quand on regarde sur toute une durée de championnat, combien de fois ça arrive qu'on ait besoin du deuxième gardien. Donc voilà, c'est un risque que j'essaye de mesurer. Après là, l'avantage c'est que maintenant on a droit à 5 changements, donc ça offre encore plus de possibilités. Quand on en avait 3, c'était peut-être plus réduit, mais là en l'occurrence c'est vraiment un plus de pouvoir voilà, amener de la fraîcheur à différents postes, avoir un banc un peu étoffé. Ton côté un peu basque, on pense notamment à la période Coupe de France avec Villefranche contre le PSG, ou peut-être même un petit peu ton départ de Villefranche. Est-ce que ce sang chaud justement, c'est pas un petit peu le défaut de tes qualités? Je sais pas, j'essaye de réduire ça au maximum parce que ça m'a joué des tours forcément. C'est pas forcément des fois l'image qu'on a envie de renvoyer. Justement, la formation au BEPF m'a beaucoup aidé à ce niveau-là parce qu'ils apprennent justement à gérer les émotions, à prendre du temps pour soi. Voilà, les formateurs insistent beaucoup parce qu'au final, on est quand même dans une machine à laver où on est quand même constamment un peu sous pression, avec pas beaucoup de congés, 15 jours au mois de juin et encore au téléphone, hein, en parler à ma femme. Mais... Donc du coup, c'est vrai qu'il faut arriver à prendre beaucoup de recul. Alors en vieillissant, maintenant, voilà, j'apprends de mes erreurs et j'essaye de corriger ça. Mais malgré tout, c'est sûr que je suis plutôt un entraîneur passionné sur le bord, je vis les matchs. Donc il faut que ça reste dans les limites. Mais justement, à l'inverse de ce sang chaud,
Quand on discute avec tous les joueurs que tu as eus, avec les joueurs que tu as aujourd'hui, tout le monde nous dit que c'est un entraîneur passionné, comme tu l'as dit, mais surtout un entraîneur qui aime ses joueurs, un entraîneur même très paternel. Je pense que c'est important et c'est aussi là, maintenant je pense que plus ça avance avec l'âge, je trouve que le plus important c'est les connexions entre les hommes, et il faut qu'il y ait une adhésion complète sur un projet commun, sur une philosophie de jeu éventuellement, sur la difficulté de gérer les égos quand on ne joue pas. Et donc il faut absolument créer un lien fort avec ces joueurs. Il faut quelque part les aimer, quoi. Il faut arriver à ressortir le maximum d'eux. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Faire des séances, on va dire que presque maintenant tout le monde sait faire ça. Après, c'est sûrement la gestion du vestiaire qui est le plus compliqué. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les entraîneurs de haut niveau du national dont tu fais partie peuvent aller entraîner justement le au plus haut? C'est au président qu'il faut demander ça. Je sais pas, ouais, je pense qu'il y a des entraîneurs de qualité, franchement. Et encore une fois, avec maintenant les formations qu'on suit, elles sont de plus en plus pointues, elles sont vraiment top niveau. Et quand on voit, voilà, même je trouve que le niveau national, il s'est vraiment amélioré. Et je pense que si on tend vers une Ligue 3 professionnelle, c'est parce que ce niveau, il est maintenant, voilà, on voit les coachs qui y viennent, qui étaient peut-être quelques années auparavant en Ligue 2, voire même en Ligue 1. Donc il y a de très bons entraîneurs. Maintenant, on n'est pas décideurs par rapport à ça. C'est tout le bas qu'on te souhaite en tout cas là. Merci beaucoup. Merci à vous et puis continuez à faire ce que vous faites.